à des numéros les plus extraordinaires les uns des autres. Que dis-je, les exploits les plus exceptionnels de toute l'histoire des foires et des fêtes foraines. Mais pour cela, laissez-moi vous présenter la force en personne, l'homme qui soulève les montagnes, l'homme qui arrête les trains d'une seule mer, l'homme qui déracine des arbres, d'une seule bichenette. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter l'homme plus fort qu'Hercule et Popeye réunis, l'homme plus fort du monde, j'ai nommé Nestor Bonfort, c'est moi. Confectionnés exprès pour moi dans les forges de Vulcain, réputées dans les 5 continents pour faire l'acier le plus dur. Eh bien, mesdames et messieurs, ces chaînes ne résisteront pas à la force de mes triceps. À la une, à la deux, à la trois. Oh! Pour me permettre de réaliser un petit exercice de jonglage. Mais pour cela, je me permets de vous demander le silence absolu. Mais ce n'est pas tout. Je m'adresse cela aux sens les plus sceptiques d'entre vous à venir nous rejoindre dans le stand comme dans les principales. Il se trouve dans l'allée principale, à 20h précise. Venez nombreux, un fabuleux spectacle vous attend. Le sidérant est le plus beau. J'ai nommé mon mari Robert Messé. On l'applaudit.
Je me prépare à manger, c'est moi.
pour mon numéro. Prépare nos accessoires. Je ferai ce que je pourrai. Comment? Bien. J'aime mieux ça. Ricky Pam Pam, Ricky Pam Pam. Voilà, je suis épuisée. Je vais laisser la boule se reposer. Bonne nuit, Ricky Pam Pam. Bonne nuit.
Tu as entendu du bruit, Smirnoff? Non, grand maître. Il a ma gueule? C'est Ricky! Ah, Ricky, tu ne me salues pas, moi! Que le bon honneur de t'arriver! Il faut m'aider, monsieur Zubrowska! Avec plaisir, Ricky! Vous savez le tour de magie que vous faites avec les fleurs quand vous les faites tourner et hop, elles changent de couleur? Oui, ah, Ricky, tu as aimé ce tour? Oui, j'adore! Faites-le sur moi! Mais tu n'es pas rouge! Je veux pas que vous me changiez de couleur! Je veux que vous me fassiez tourner et hop, je deviens grand! Ah, Smirnoff, Ricky va être grand comme un géant! Oui, comme un géant! Je veux plus être Ricky, je veux mesurer 2 mètres! Mon décide tout pour moi! Fais ci, fais ça! Je veux être grand pour décider tout seul! Smirnoff, amène Ricky par ici! Regarde devant l'horizon! Tu mets tes mains devant tes yeux! Tu tournes jusqu'à 10 et à 10 tu seras là. Et à 10 tu seras là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche! Ça marche! Je suis devenu grand! Merci, Smirnoff! Qu'est-ce qui se passe, grand maître? Qu'avons-nous fait? Nous avons encore fait une bêtise, je crois. Vous! Je vous ai bien eu! Moi aussi, je sais faire des blagues! Ah, sacré Ricky, toi aussi, tu es un farceur! Ça vous donne envie de faire la fête? Ça me donne envie de chanter! Marque l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, la plus brillante. Le sable, le sable. Envoie le plus blanc, envoie le taureau, Aldébaran. Aldébaran, la plus brillante.
jouer dehors et à déranger les gens. Je sais pas si tu vas prendre ton film, n'est-ce pas? Mais la nuit, c'était pour dormir! Les gens, les soirs, ils ne dorment pas. J'ai croisé plus de personnes que le jour. Je sais. Mais Robert, tu commençais à équilibrer son couche avec des poules. Ce n'est pas vrai. Il y a 2 minutes, il était avec moi. Mais non! Mais si! Mais si! Ou l'animal, mais si tu vas me rendre chèvre! Tu veux que je te prouve et tu dors? Je vous fais bien pour ça! Allez, tu m'en. Et surtout, pas de petit saumon, Robert! Ce n'est pas possible! Je vais le réveiller! Sois pas bête, tu vois bien qu'il dort! Réveillez-vous! Mais qui arrête? Robert, monsieur! Simon, vous êtes dans le plus. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? Mais qui est Pompon? La ferme, Simon, je te pose une question. C'est qui celui-là? C'est Ricky Pompon? J'attends une réponse, Simon. Tu ne réponds plus, Robert? Rikiki. Non, c'est pas Rikiki, c'est Ricky Pompon. La ferme, Simon, tu ne connais pas compris que c'est Ricky Pompon, Simon? Si, Robert. Appelle-moi Bob. Oui, mon Bob. La ferme, Simon, on en a un camp, d'un coup, on en a un camp, d'un coup. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dites-lui-vous à Simon qu'il y a 2 minutes, vous étiez avec moi quand vous m'avez sauvé des monstres. Simon, il y avait un numéro secret? Non, Bob. Alors, tu lui en as parlé? Non, Bob, je te jure. Quel numéro secret? C'est secret. Montrez-le à moi! Un numéro secret ne se dévoile pas, hein, mère. Et quand Robert dit non, c'est non. Alors, je boude. C'est non, on te le montrera de merde. Non, je pleure. Je ne supporte pas, je suis trop émotive. Robert, fais quelque chose, il pleure! Je ne peux pas, c'est Robert. Robert, écoute! Bon, d'accord, Simon, moi et moi, Robert le docteur. Mais qui n'a jamais peur? Alors, on a décidé de te dévoiler le numéro secret. Oh, c'est vrai? C'est bien vrai? Est-ce que je suis beau, Simon? Comment est-ce, Robert? Toi, assieds-toi là, et surtout, ne bouge pas, ça devrait être très dangereux. Allez, Simon, lance ton numéro. Dès que tu es du numéro, les vins, poupoules, ramenez-vous! On s'en patient. Un petit heure, les gars. Deux. Non, pas toi, t'es de cochon. Je reprends. En 1724, moins en 1721, les gars. Ouf, 3, bravo. Début du deuxième livre. Poupougne va interpréter un petit numéro de Music Roll qui sera magnifique dans sa petite tenue. Regarde, Poupougne, j'ai fait ça exprès pour toi. C'est toi qui as de la chance.
Si t'arrêtais de me rendre ridicule. Je travaillais pas tout seul. Comment elle est tranquille 2 minutes avec elle? T'es toujours dans mes pattes. T'arrives pas mais dans pas d'armes. Et si tu m'obligeais par le au bon milieu de la nuit? Qu'est-ce que c'est que tu l'as vu? Ça y est, je suis énervée.